Une journée pluvieuse des studios à l'EPFL, un public bienveillant et Liana qui est présent là ce soir. Salut Liana. Salut. Bonsoir Lausanne et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en direct sur fréquencebanane.ch. Donc les associations Fréquence Banane, musicales ainsi que Nul qui nous filment actuellement, nous proposent ce soir la deuxième session de Down There Session avec un mélange cristallin et subtil de Liana qui nous invite dans son univers, mais je lui laisse la place tout de suite. Merci pour cette description. Ouais, salut, je m'appelle Liana. Je vais vous chanter plusieurs chansons et je vais commencer avec une compo qui s'appelle Don't Lose Yourself. Et je l'ai écrite il y a quelques semaines. Et en fait, elle parle d'une fille qui a une tendance, qui avait tendance à ne pas reconnaître sa propre valeur. Et donc, elle essayait de chercher de l'amour et de l'approbation externe. Et en fait, elle s'en est donnée, enfin, avec un développement personnel, elle s'en est donnée un peu. Et ouais, elle a appris à s'aimer, en fait. La prochaine chanson, c'est une chanson en portugais. Ma mère est brésilienne. Et elle s'appelle Chimbalayé. Elle est écrite par Maria Gadu. C'est une de mes artistes préférées. Et ça parle de la valeur de la nature. Chimbalayé, quand
visão do mar. Chimbalaie toda vez que Liva repousa. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e anzol. Pensamento tão livre quanto o seu. Imagino um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manja. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e anzol. Beijando o mar, chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Muito obrigado, Liana. Valeu, obrigado. Quand la tête s'est tue, notre cœur a pu se perdre à la vitesse de tes rêveries et de tes douces mélodies. Merci beaucoup pour ce Merci moment. C'était très agréable. Si vous avez envie d'écouter Liana encore plus que maintenant, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Je fais ma pub. Exactement. Merci. Sous Liana ou Liana Musique, ou Liana Musique Mettere, n'est-ce pas? Ménétré. Ouais. Donc je te laisse continuer à nous bercer Trop tous bien. Ensemble et très doucement. Merci. Trop bien, merci. Ok. La prochaine chanson, elle s'appelle Down et c'est une personne qui refuse de rester avec des gens toxiques qui la tirent vers le bas. Can't stay around with all your foolish games. It's like a miracle I've made it this far. Say you won't keep fighting, but I know you will. It's like a cycle and still keep pulling me down, 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 lower than I've ever known.
trop bien, merci. Ok, la prochaine chanson, c'est en français. Je me suis dit quand même, on va faire anglais, portugais, français. Et étonnamment, c'est d'un rappeur, c'est de Camaro. Mais il n'y a personne qui connaît cette chanson. Parce que... Mais elle est hyper jolie, c'est pas du tout comme « Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby. » Bon, bref. Et elle est hyper belle et ça c'est une chanson qui me redonne genre confiance en moi et tout dans mes moments où je suis un peu en down. En une seconde, en oui, en non, tu passes à côté, ne pense pas. Dans le vent du courage, vas-y et lance-toi. Tu seras reçu par ceux qui t'aiment, ceux qui dans le fond d'un regard en silence te comprennent. Et ils partageront les mêmes peines, les tiennes, ces centaines de haines. Les fois où tu parles trop, les fois où tu dis rien, tu fais rien. Quand t'as l'impression de vivre toujours le même quotidien, ne baisse pas les bras, ne lâche pas. Prends le temps de te dire qu'il y a un ange derrière toi, relève-toi. Et va trouver le plus fort en toi, au fond de toi. Le bonheur est au bout des doigts, ne l'oublie pas. Oh, oh, sous l'œil de l'ange, je suis venue te dire que j'ai su rester forte. Sous l'œil de l'ange, je suis venue te dire qu'ils n'ont rien vu encore. Sous l'œil de l'ange, je suis venue te dire que j'ai trouvé. Falloir que tu saches ce qui se cache dans une défaite. Trouver la porte dans le noir qui t'en sortirait. Recommencer à rêver, c'est dans les rêves que se cache l'éternel conte de fées. Ta vie tu la bâtiras de tes mains. La sueur de ton front sera le pain pour ton lendemain. Va et sois le meilleur dans ce que tu feras. Ne baisse pas les bras, Dieu te gardera. Il te parlera de tout et de rien. Il a les mélodies, les clés du mal et du bien. Il fera ton histoire, il aura tes mémoires. Va et sache que tu as tout ce qu'il faut, le plus qu'il faut. Et donne-toi le temps qu'il faut. Regarde en haut, oh, oh, sous l'œil de l'ange, je suis venue te dire. Voilà ce que ça donne quand Liana nous montre un peu d'elle-même. Comme nous sommes privilégiés ce soir de pouvoir découvrir ton univers. Merci beaucoup, Liana. Et hommage, hommage à Camaro qui a su faire aussi de très belles musiques. Comme tu as su, effectivement, tu as su le mettre à l'honneur. Alors vous qui êtes chez vous, qui nous écoutez, et nous, le public bienveillant que nous sommes ici, on a encore le droit à deux musiques de ta part. Ensuite, s'en suivra une petite interview et tu nous en diras un peu plus sur toi, je l'espère. Avec plaisir. Donc, je te laisse pour ces deux dernières balades musicales. Trop bien, merci. Ok, la prochaine chanson, je l'ai écrite la semaine passée, donc c'est tout frais. Hein. Et je ne sais pas encore si je l'appelle Clarity ou Peace of Mind, donc c'est à voir. Et je vais l'enregistrer la semaine prochaine en studio, donc déjà. Donc vous pourrez l'écouter sur les plateformes. Et je l'ai écrite avec une pensée humaniste. Enfin, ça demande juste plus d'ouverture d'esprit et plus de remise en question pour qu'on ait un monde plus serein et des esprits aussi plus sains. Putting on your lenses,
addicted down and create love for yourself, 'cause you can't give from an empty glass. So what have we done? We became so numb. What happened to the times when we felt strong? What have we done? We became so blind, blind to all the beauty surrounding us. Oh, 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 oh. We need more peace of mind. Oh, 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 oh. We need more peace of mind. On va finir donc cette dernière avec une reprise. Vous allez reconnaître direct. Et c'est la, je dis juste, c'est la génération de mes parents. Vous voulez chanter avec moi en fait? Ouais, tu... Mais avec plaisir, on va essayer, on va essayer. Time world, no one sees her at all. They all say she.
Merci, merci beaucoup, Liana. Waouh, waouh, j'ai vu dans les yeux du public, tout le monde était hypnotisé. Je ne sais pas si tu as pu constater ça de là où tu étais. Ils ont pas trop chanté, par contre. Ouais, mais peut-être qu'ils avaient... Effectivement, mais... Non, mais dis-moi merci de ne pas avoir chanté, parce que ça aurait juste dénaturé toute ta prestation. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié le avant, j'ai oublié le après, donc merci pour cette suspension du temps, c'était très fort, merci. Merci beaucoup. Donc, maintenant, derrière la magicienne se cache quelqu'un. Oui. On va parler un peu plus de toi afin que tu nous fasses un peu découvrir ton petit monde, qui es-tu, etc. etc. Donc tu es étudiante à l'UNIL, n'est-ce pas ? Exactement, oui. En ? J'étudie la philosophie et la géographie. Wow. En deuxième année, n'est-ce pas ? Ouais. Et ça fait longtemps que tu fais de la musique ? Ouais, j'ai commencé la guitare classique à 7 ans. Mm-hmm. Et puis après, vers 14 ans, je voulais chanter. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu, un tout petit peu à chanter. Et j'apprenais les accords comme ça sur Internet. Mais vraiment, le chant, c'est venu à 16 ans, je pense. Pour un profane comme moi, la guitare classique avec la guitare normale acoutique, quelle est la différence ? Enfin, bah, ou c'est la même ? Bah, classique, si tu fais genre. Je sais pas, tu fais. Enfin, des trucs, genre. Alors que guitare, enfin, pour m'accompagner, tu joues des accords. D'accord. Je ne le savais pas, merci, tu m'as appris quelque chose. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait des scènes live ? Tu as déjà fait des tournées ou ce genre d'ambiance t'es plutôt familière ? Ouais, ben je fais des petits concerts par-ci par-là entre Lausanne et Fribourg principalement. Et sinon, si j'avais participé à The Voice France, donc ça c'était ma plus grosse scène et la plus choquante, on va dire, marquante. Et ouais, sinon. Ouais, pas mal de bars à Lausanne ou des salles de concert. Est-ce que tu as des dates tout prochainement prévues où on pourrait te retrouver ? Je vais chanter au Beau Rivage Palace, mais il faut payer 180 francs l'entrée. C'est pas pour moi. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pour un festival. Enfin, c'est des conférences sur l'environnement. Et vu qu'ils savent que je suis une écolo chiante, ils m'ont demandé si je pouvais chanter et faire un speech. Du coup, j'en profite, transition toute trouvée pour ma prochaine question. Tu es une artiste engagée, comme on dirait classiquement. Enfin, tu essaies de véhiculer un message à travers tes chansons. Ouais, clairement. Justement, c'est un peu un processus et une réflexion personnelle de me demander pourquoi je fais de la musique. Et j'ai pas envie justement de chanter juste des trucs genre I wanna dance. Enfin, je sais pas, c'est cool, hein, j'aime bien chanter ces chansons aussi. Mais genre, j'ai vraiment envie que. Les gens, ils viennent m'écouter aussi pour et qu'ils ressortent avec une pensée ou quelque chose en tête qui les a plus marqués. Ou donc, d'un côté, tu as envie de transmettre des émotions tout en stimulant la réflexion de ton public. Ça, c'est parfait. Sans être moralisatrice, mais en même temps, faire un petit message. C'est un projet ambitieux qui est plutôt réussi ce soir. Je demande au public. Oui, c'est incroyable. Et par du coup, je continue, excuse-moi, 180 francs le prochain concert. Est-ce que tu as un concert un peu plus cheap ? À la fête de la musique, ouais, je vais chanter. D'accord. De Lausanne, donc le 21 juin. Le 21 juin, pour retrouver Liana. Je vais chanter sur trois scènes. Donc, sur trois scènes. Ouais, parce que j'ai un projet personnel et un avec la Gustave Academy, c'est une académie de musique à Fribourg dans laquelle je suis. Et un autre avec une chanteuse, elle s'appelle Donna Z, c'est une chanteuse lausannoise. Vous connaissez ? Yeah. On salue Tona Z. Ouais. Et je vais chanter, je fais les backing, les deuxièmes voix pour son concert au Docks aussi. Ah oui, venez au Docks le 23 mai. Donna, je te fais de la pub. En vrai, beaucoup d'infos. Du coup, le 21 juin, avec tes trois concerts. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as déjà sorti un projet, un album, un EP, comme on dit ? Ouais. J'y réfléchis de plus en plus, mais. Pas tout de suite. Enfin, j'ai envie d'abord de grandir plus musicalement et de me nourrir de plus d'expériences et aussi de plus de styles musicaux. Enfin, j'aimerais bien partir au Brésil, habiter quelques mois pour faire des chorales de bossa nova, comme ça avoir une influence plus brésilienne dans mes chansons. Et sinon, ouais, la semaine prochaine, je vais enregistrer une des chansons que je vous ai chantées là, et avec justement la Gustave Academy. Et j'enregistre la semaine prochaine et ça sort dans. C'est moi, je pense, sur Spotify et tout. C'est intéressant, tu dis que tu as envie de t'imprégner plus de cette expérience Bossa Nova, dont on a ressenti l'influence sur ton morceau en portugais. Est-ce que tu estimes qu'il faut être prêt ou assez expérimenté à un moment donné pour transmettre complètement ce que tu veux ? Une espèce de maturation artistique qui doit s'opérer. Ouais, totalement. Enfin, je vois même par rapport à il y a quelques mois, que j'ai
beaucoup plus grandi et je sais plus ce que je veux dans la musique et tout. Mm-hmm. Et j'ai pas envie de faire un EP, enfin pour faire un EP, enfin j'ai envie vraiment que ça soit quelque chose de réfléchi et que vraiment je prenne mon temps de construire mon propre univers et ouais. C'est un long cheminement au final. Ah oui, exactement. C'est un peu fatigant. Non, c'est trop cool. Et du coup, si on ne peut pas aller le 21 juin et qu'on ne sera pas non plus là au Beau Rivage Palace, et où est-ce qu'on peut trouver tes créations? Je mets sur YouTube, mm-hmm. Facebook, j'ai une page aussi d'artiste. Mais je mets surtout sur Instagram, en fait. Et ouais, vous pouvez me suivre, je m'appelle Liana Musique. Je n'ai rien trouvé de plus original. Et est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour les prochains mois au niveau artistique? Ah, intéressant ça. De me trouver un groupe, oui. Qui veut faire partie de... Non, non, quand je chante dans des bars, il y a un batteur qui m'accompagne, un guitariste électrique. Mm-hmm. Et c'est hyper cool. Mais c'est vrai que j'aimerais bien donner une autre dimension à ma musique. J'adore pouvoir jouer en solo. Et je trouve ça cool, vraiment. Et génial de pouvoir être autonome. Mais j'aimerais bien avoir, créer vraiment un groupe et puis qu'on se... on ait un set solide, quoi. Oui, parce que on tient à le préciser, tout ce qu'on a entendu de ta propre composition, tu l'écris, tu le joues et tu l'interprètes. Ouais, ce ouais, qui est quand même assez notable. Ouais, merci. mais ouais, enfin, je tiens à... de plus en plus, ça me saoule de chanter des covers et j'ai envie vraiment d'avoir mes chansons. Et du coup, t'aimerais quand même vivre l'aventure avec un groupe prochainement. Enfin, l'appel est lancé, hein, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de rejoindre ton monde et ton univers, ouais. N'est-ce pas? Oui, totalement. Et puis sinon, ouais, ce que je peux me souhaiter aussi, et que vous pouvez me souhaiter, ouais, ce serait de vraiment essayer de composer au maximum. Parce qu'il y a souvent un blocage en musique... où on commence à écrire et puis on n'aime pas et on retourne. Il y a des idées, mais ça prend du temps et pour qu'une chanson elle naisse et elle fleurisse. Et donc vraiment que j'arrive à casser ce blocage et à composer au maximum. Tu aurais un petit truc du coup pour tous les artistes en devenir qui nous écoutent ou qui sont même présents dans la salle quant à cette espèce de petit blocage dans le processus de création? Ouais, c'est difficile ça. Je dirais, le fait de collaborer aussi avec des gens, c'est assez cool. Enfin, juste, tu fais écouter ta chanson. Enfin, moi, je fais écouter à ma prof de chant ou à des amis qui font de la musique et ils me disent « Ah ouais, là, il y a trop de ça. » Ou « Enfin, tu pourrais faire différemment. » Ça, ça aide à aussi avoir une autre dimension. Et sinon, ouais, ce blocage... Enfin, moi, ce que je fais des fois, c'est quand je bloque sur les paroles, ben d'abord, j'écris plein de mots, genre n'importe quoi, mm-hmm. des phrases, vraiment. Enfin, ça veut rien dire. Et après, je vois qu'il y a une idée qui revient de plus en plus. Et après, je travaille là-dessus. Puis je me dis, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de porter comme message. Et après, je crée des phrases. Je regarde si ça va. Je chante avec. Ou bien des fois, juste je chante. J'ai trouvé des accords et je chante comme ça. Et petit à petit, enfin, je chante n'importe quoi. Je fais du yaourt. Tu fais. Yeah, mon année. Enfin, ouais. Et donc après, l'idée, c'est qu'il faut faire, ouais, écrire, vraiment. Et ça vient. Ça ouais, il ne faut pas croire qu'il y aura l'occasion parfaite, l'inspiration et tout. Il faut genre gratter, et écrire, et chanter et s'enregistrer surtout. J'adore l'application Mémo Vocaux sur l'iPhone, vraiment. J'ai tellement d'enregistrements. Du coup, petite question subtile. À quel moment on s'arrête dans ce processus-là? C'est quand que tu dis « c'est bon, là je peux présenter mon morceau ». Ouais, compliqué. Mais on n'est jamais totalement satisfait. Mmh. Mais bah déjà, quand tu as une structure, quand tu as le couplet, le refrain et tout, bah, là, quand tu t'enregistres aussi et que tu peux écouter comme si c'était une musique normale et que tu dis pas genre « Ah, là, ça bloque, là, ça bloque, là, ça bloque. » Là, je pense déjà que si c'est fluide et que tu te vois de la présenter devant un public, c'est que c'est déjà bien, quoi. Mais de la présenter, ça aide beaucoup. Tu vois le retour des gens et... Bon retour ce soir. Hein bon retour. Bah, on discutera après. Vous ferez des feedbacks. Et est-ce que souvent, les artistes, tout ça, ils sont entourés, ils viennent d'une longue famille, une lignée d'artistes. Et du coup, je te pose la question à toi. Est-ce que tu as été baignée dans un monde musical quand tu étais petite, etc.? Non, franchement, très peu.
Seul truc que je peux dire, c'est mon père qui faisait partie d'un groupe de punk. Salut papa, je sais que t'aimes pas quand je parle de ça. Et donc, pas du tout mon style de musique, on va dire. Et à ce qui paraît, il chantait. Je comprends pas parce qu'il chante jamais et il déteste sa voix. Enfin bref, enfin, je crois qu'il criait surtout. Okay. Et les gens, ils aimaient ça. Et donc, il faisait ça. Son groupe, il s'appelait Décontrôle d'ailleurs aussi. Bref. Et ma mère, elle faisait aussi de la chorale brésilienne. Donc, un petit peu, mais. Donc, j'ai pas mal eu cette influence musique brésilienne. Et du côté de mon père, c'était un peu plus. On écoutait hyper beaucoup Moby. Mm-hmm. Et Black Eyed Peas, ça m'a marqué. Du coup, tu nous parles d'artistes. Si je devais te demander deux artistes un peu inconnus, enfin, les personnes qui nous écoutent en direct, là, ils doivent vraiment aller découvrir deux artistes. Là, avant de mourir, ce serait qui? Je dirais. Attendez. Xavier Rudd, c'est un Australien qui fait de la folk. Et il est ultra spirituel et écologique, et j'adore. Et sinon, deuxième, je dirais Justin, c'est une chanteuse américaine soul, et elle a un charisme incroyable et une voix incroyable. Donc on ira checker Xavier Rudd et Justin. Ouais. On arrive gentiment au bout de notre interview. Merci pour le petit jingle. Donc c'était la deuxième version du Down Their Session avec un message spirituel et écologique. C'était donc Liana. Je vous invite à la retrouver. Liana Musique, Liana Ménétré. Ménétré, voilà. Je savais que j'allais reprendre l'erreur. Liana Ménétré. Donc, la prochaine fois, c'est Down There Session numéro 3. Je vous invite à nous rejoindre ou à aller retrouver notre contenu sur les pages de Fréquence Banane, de Nul ou de Musical. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Voilà. C'est coupé.